Oui, bonjour à tous, ici La Goule pour Canal VK. Donc voici une nouvelle vidéo de présentation de produits d'Open the Box, hein, comme on dit dans le jargon. On veut remercier notre partenaire MaxiRev, donc Mathieu, son père et toute l'équipe, de toujours être là et d'expédier les commandes, bref, de faire un super service client et de super expéditions. Donc c'est parti pour toujours le jeu Flames of War, donc deux produits qui ont été très, très attendus de la part de la communauté, donc des ruines en plastique sont très grandes, donc avec ce pack là, et le set en fait en vente directe, que ça normalement nous ne pouvons avoir que via Battlefront. Il a réussi à en obtenir, donc c'est un décor pré-peint pour pouvoir mettre le décor dessus. Donc c'est parti, on va commencer par ce set là, donc on va découvrir ensemble ce qu'il renferme. Hop. Donc OK. Donc c'est censé ce qui est dans la boîte, les petits chiffres. Bon bah la petite notice comme il faut. Donc ce sont des bâtiments modulables en plastique, d'accord, bien défoncés pour représenter des cités en ruine de type occidental pour la Seconde Guerre mondiale, à savoir utilisable pour Flames of War, mais aussi pour Team Yankee. Donc là on ouvre le sachet, voilà, bon bah écoutez, il y a plein de grappes. Ok. Donc on va voir ensemble la qualité, mais ça s'annonce plutôt bien. Ouais, c'est vraiment sympa, tout est déjà dégrappé. En termes de pliage, on est sur du bon, hein, donc c'est du plastique injecté en fait, hein, comme on a l'habitude de voir. Donc là, on a plusieurs sets, hein, pour faire les murs, hein. Ok, bon, je ferai peut-être une vidéo une fois assemblé, ce décor assemblé. Là on a quoi? Là on a un étage défoncé avec des blocs de béton et l'armature, ouais, c'est plutôt bien sculpté. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment bien sympathique, quoi. Ok, ici bah, le toit en tuile, donc ok, c'est plutôt bien rendu. Okay, pas trop de travail de préparation. Pareil, là on est bon, là on a justement les coins, hein, donc ok, ça s'annonce pas mal tout ça. Donc faudra, comme je l'ai dit, il va falloir que je m'occupe justement de les assembler et de faire une petite vidéo de présentation une fois sur le socle. Bon bah écoutez, c'est plutôt encourageant. Voilà, j'attendais ça depuis très longtemps, donc vraiment, encore une fois, bien joué Battlefront. Franchement, ça attire le pinceau, quoi. Ok, donc ça, on va mettre de côté. On va passer directement au socle. Hop. Voilà. Donc, le fameux socle. Donc, c'est toujours de leur gamme pré-peinte, donc Battlefield in a box. Ok. Donc, ok, bon, c'est plutôt bien emballé, protégé. Donc voilà, ça, le socle, hormis les pavés qu'on peut voir peints sur les côtés, mais la zone en marron, en fait, c'est la taille du bâtiment, quoi. Donc c'est plutôt impressionnant, quoi, sur une table classique. Ok. Voilà, donc avec le fameux revêtement de Battlefront, hein, donc ça se plie un peu, donc comme quoi ça se casse pas. Et écoutez, c'est très beau, il n'y a pas grand chose à faire dessus, c'est du pré-peint. On peut voir des petits éléments, des poutres, des pavés, des morceaux de comment dire, de parpaing, je sais pas moi, enfin bref, des décombres au sol, donc c'est vraiment joli, honnêtement. En termes de peinture,
Bon, je ferais pas grand chose quoi, c'est vraiment très très acceptable sur la taille de, sur la table de jeu quoi. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé, c'est une présentation rapide de ces produits. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos concernant le projet Stalingrad qui j'espère va arriver assez rapidement. Sur ce, on fait des gros bisous, on pense bien à tout le monde avec maintenant les mesures sanitaires qui commencent à se lever, donc c'est je l'espère, le retour du hobby pour tous se voir et jouer et peindre ensemble. Allez, sur ce, bonne continuation, à bientôt de la part de Canal VK, ciao.